L'hydromel se lève. Alors? Oui? Il s'en va. Ton cul! Bonsoir la rediff, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis navrée de ne pas avoir fait le sans bébé. Le vendredi, j'étais prise par un autre truc. Et après, j'ai eu mal au crâne tout le week-end. Voilà, donc j'étais pas très très fraîche. C'est gentil d'avoir la hype, mon petit Didi. Sinon, là, ça va. Je suis un peu fatiguée, donc peut-être que le live sera un peu plus court. Je pense que je vais avoir mes règles, parce que tout à l'heure, j'ai pleuré, parce que j'ai pas mélangé ma brique de soupe à la tomate avant de l'ouvrir. Donc, bah, en gros, la pulpe reste au fond. Et quand j'ai versé, ça m'a fait du vieux jus. Et j'ai pleuré. Pour en arriver à ce niveau, je pense que mes hormones, là, ils sont bien, là. Voilà, ça vous dit un peu le... C'est génial d'être une femme. On adore. Ça vous dit le niveau de la meuf, quoi. En cumulé, j'ai ouvert un petit serveur Minecraft pour quelques gens, là. Un truc gratuit qui lag dès qu'il y a trois joueurs dessus, mais on s'en fout. Et j'ai mis le mode avec les poneys. Et dans leur nouvelle mage, ils bouffent les poneys, sauf que c'est buggé, donc ils mangent pas. Je sais pas si c'est parce que mon serveur est pas assez puissant ou quoi. Après, c'est un truc gratuit, donc on va pas pleurer, hein. Mais j'ai passé la journée à chercher comment désactiver la bouffe et comment résoudre ce problème. Et ça fait chier tout le monde, voilà. Voilà, donc, la boîte de soupe, c'était la goutte d'eau, les gars. Donc, je suis épuisée émotionnellement alors que je n'ai rien fait. Donc, je vous promets pas que ça va durer longtemps. En tous les cas, je suis contente que cette nouvelle série vous plaise. Ou a l'air de vous plaire, en tout cas. La prochaine famille qu'on relookera, ce sera les gothiques, si vous avez voté sur Discord. Et peut-être qu'on en fera un peu aujourd'hui. Alors, Didi, vu que tu es là, tu vas me donner ton avis. Je me tâte à inscrire les amis pour la vie, là, à la fac. Puisqu'ils sont censés être étudiants. Mais en même temps, je me dis que je sais pas si on arrivera à faire grand-chose si on doit leur faire passer leur vie à la fac. Donc, je me tâte très fort. Voilà, bon. T'as le temps de réfléchir, de manger, de te poser. D'ailleurs, bon appétit si tu vas manger. Et on va passer sur le jeu. Tadam ! C'est magique. Il y a sûrement un truc de raccourci pour faire en sorte que j'ai pas à switcher à chaque fois. Mais je l'ai pas trouvé. Donc, en attendant, on switchera. Entre le... l'arrière-plan et pas d'arrière-plan. Bref. Coucou Missou, comment ça va? S'inscrire plus tard. Parce qu'après, on va pas faire 40 épisodes de Let's Play avec eux. Je veux juste qu'on joue un peu avec eux. Donc, j'ai commencé à rénover... rénover. Je vous explique. J'ai essayé de rénover le manoir des gothiques hors caméra. Et en fait, j'ai juste passé 3 heures... sur les barrières de l'extérieur. J'ai absolument pas avancé. Ça peut aller aussi. Comme j'ai dit à Didi, j'ai pleuré parce que j'avais pas secoué ma boîte de soupe à la tomate. Donc elle était mal mélangée et ça m'a fait chialer. Voilà. On en est là, quoi. C'est les ragnouf qui arrivent, je pense. C'est même certain. Là, à ce niveau-là, d'émotion pour rien, si tu veux. Ça sent les hormones qui travaillent fort. Allez, on va jouer. Quand même, je suis très contente du look que je leur ai fait. Hein. Ils sont quand même vachement plus BG maintenant. Quand j'ai revu leur gueule, quand j'étais prendre la photo, là, je me suis dit... t'as bien travaillé. D'ailleurs, regardez, la soupe, j'en ai partout. Voilà. La meuf ne sait pas boire. Je m'en suis foutue partout. Il y en avait plein le bureau, il y en a plein ma gueule. Il y en a certainement sur mon pyjama aussi. Voilà, c'est parfait. Ah oui! Du coup, je vais vous montrer la maison, puisque vous ne l'avez pas vue. Alors,
voilà la bête. Je vous ai montré un peu l'extérieur, mais je ne vous ai pas montré l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, je me suis amusée à reproduire le terrain qu'il y a devant avec les petites touffes là. Les bégonias et... Je crois que c'est des bégonias. Les bégonias et les fougères là. Pardon. Excusez-moi. Travis a des airs de Fred. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, le petit extérieur comme ça. On va retourner devant. J'ai changé les planches. Tu la laisses ! Hydromel, dégage. Bah, ma pauvre saucisse, c'est embête. Bah oui. Viens là. Hydromel, t'es un sale petit con, hein. Il sent pas les couilles. Hydromel. Oh mais quelle altesse ce chat. C'est une princesse. Oh, il fait chier sa sœur comme d'habitude. On va certainement se foutre sur la gueule. C'est vrai qu'il a des petits airs de Fred. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Ah oui, j'ai certainement changé les fondations mais je sais plus. Ouais je crois, si si. C'était des vieux machins de bois avant. J'ai changé les lattes. Ça c'est les lattes de... Ranch. J'ai changé le toit, comme vous pouvez le constater. J'ai changé les fenêtres. Bref, j'ai pas changé ça. J'ai peut-être changé... Je sais plus. Je sais plus, les gars. Donc, l'extérieur. Ici, je savais pas quoi faire. Au début, je voulais faire un étang. Puis comme j'en ai fait un dans leur jardin, je me suis dit, je vais pas en faire un deuxième. Ça va être redondant. Donc, j'ai fait un espèce de petit chemin de promenade, là. Comme ça, j'ai essayé de reproduire la terre. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est pas très très grave. Et là, c'est genre un abri de bus, mais sans abri. Bon. C'est pas grave. C'est un arrêt de bus, voilà. Même s'il n'y a pas de bus, mais vous avez compris. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'ai pas trouvé d'autres panneaux que celui-là. Il y en a certainement dans le debug. Comment vous dire que j'ai pas envie d'y aller. Et donc, pareil, végétation, enfin... Beaucoup de végétation. Alors, le jardin, on va commencer par ça puisqu'on est dehors. Donc, d'abord la terrasse. Assez, je sais pas. En fait, ça fait plutôt riche, mais je me suis dit... C'est des étudiants, ils payent le truc à trois. Peut-être c'était déjà meublé et en plus, ils ont ramené des trucs à eux. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Coucou Os, comment ça va? Enfin, je sais comment ça va, mais tu peux le dire au chat. Comment tu vas? Quoique, est-ce que je t'ai demandé aujourd'hui comment ça allait? Est-ce que je t'ai demandé? Je crois pas. Je t'ai même pas demandé comment t'allais. Ah si! Bon, hé, tu arrêtes de l'emmerder maintenant! Non mais... Excusez-moi. Il faut que vous voyez ça. Regardez sa tête là. Le coupable. Là, il y a Chacha, tranquille. Et lui, il a fait chier. Ouais, fais genre tu renifles, ouais. Fais genre tu renifles. Quel emmerdeur. Elle est pas contente, hein. Elle va t'en foutre une, hein. Pauvre Chacha, il t'emmerde. Il t'emmerde, le gros. Oui, oui. La digestion est un peu dure. Bon, bah, c'est que la digestion qui est un peu dure, ça va. Bon, la météo m'avait dit qu'il y aurait une tempête. Il se passe pas grand chose chez moi. Hein. Ah, je suis pas coiffée au fait. Donc, si vous voyez que j'ai une gueule de cul derrière, c'est normal. Une gueule de cul derrière, tout à fait. Tout à fait, Lupina. Bref, j'en étais où? Ah oui, la terrasse. Non, je disais un truc. Ah oui, je disais que comme ils sont étudiants, c'était certainement meublé à la base, puis ils ont rajouté des trucs à eux, ils sont peut-être cotisés, fait le marché aux puces. C'est pour ça que c'est pas forcément... c'est un peu débraillé, les trucs. Bref, de la verdure, petit coin fumette, petit coin barbecue. Et ici. Alors au début, là, j'avais mis des trucs de jardinage, mais en revoyant leur... Je suis désolée les gars, j'ai du mal à aligner mes pensées.
Bah, ils avaient dit tout l'ouest en fait, jusqu'au. Enfin, de la Bretagne au. Au Nord-Pas-de-Calais, donc. Ouais, bon. Ça a un peu soufflé tout à l'heure, mais bref, on s'en fout. Dans leur trait de caractère, voilà, personne qui aime le jardinage, donc à la place, j'ai mis des trucs de sport pour Summer. Un petit ballon de basket, enfin, un truc de basket là. Un panier de basket, voilà. Le petit coin apéro, n'est-ce pas? Là, c'est des plantes. Non, sérieux. Merci, Sherlock. Et puis là, bah, transat. Piscine, étang, on sait pas trop. Bon, personnellement, je sais pas si j'irai là-dedans. En plus, il y a des bulles et tout. Enfin, bon. Pas top, hein. Mais, je suis quand même très contente de mon extérieur. J'aime bien. Avec un petit arbre à lampiote. Et la balançoire, je sais pas si je vous l'avais montré. Et bienvenue aux 6 personnes. Ah oui, alors moi quand je mets des fleurs, faut que ça soit coloré, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Eh ben on va passer à... Pardon, la maison. Alors, on rentre par la porte. Non, sérieux, il y a un petit sofa, une petite table, la poubelle, voilà, bon. Rien de très intéressant. Et l'entrée... Comme ceci, le truc à bordel. Et là, c'est le salon. Donc, il y a un petit PC. C'est pas celui de Travis, mais c'est pour les filles. Je sais pas laquelle. Petit truc de jeu vidéo, parce que je sais que Lee et Travis, ils jouent aux jeux vidéo. La salle à manger, la cuisine. J'ai mis du bordel, parce que vraiment, ça rend une cuisine vivante, hein. J'ai fait un ton neutre à la cuisine, mais je voulais quand même qu'elle soit un peu colorée. Je suis restée dans les neutres niveau... niveau... putain. Meubles. Parce que, bon... Je sais pas, je me suis dit... quand c'est trop bariolé, j'aime pas non plus. Mais il faut quand même de la couleur. La meuf est chiante, en fait. Le couloir que j'ai un peu décoré. On va vous montrer la salle de bain directement, qui est noire et blanche. Voilà, c'est un peu triste. Mais... Les serviettes apportent de la couleur. Bref. Bon, c'est une salle de bain, quoi. Il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi spignoler non plus. La chambre de Travis. En rouge et noir. Je fais le trottoir. Je pense que je vais laisser juste ça et ça. Alors, j'ai mis plein de trucs. J'ai mis un ordinateur mieux, quand même. Cookies, poubelle, tout ce bordel. Il est bien là. Il regarde la télé dans son lit. Il pouvait pas le faire ça avant, si. J'ai un doute. C'est trop cool. La chambre de Summer. Tiens, j'étais sûre d'avoir mis. Ah voilà. Donc il y a ce truc-là, là. La chambre de Summer dans les tons bleus et blancs. Comme vous pouvez le constater. Et la chambre de... J'ai oublié son nom. Liberty. Je crois que je l'ai appelée Lee tout à l'heure. On m'avait pas repris, alors... Je sais plus comment elle s'appelle. Les tons verts. Vert pastel. Voilà, mesdames et messieurs. Ah bah elle a un PC aussi, donc je pense que le PC là-bas, celui de Summer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit de trouver ça très laid. Mais moi j'aime bien. C'est le principal, on va dire. Liberty. Je sais plus. Non, c'est Liberty Lee. Merci, Missou. Du coup, Liberty, c'est son prénom. Donc, ouais, j'avais pensé à les envoyer à la fac, mais en réfléchissant, si je veux qu'ils réussissent leur année, donc bien les faire bosser, ça va être... Ça va être relou. Ça va être très très relou, très 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 relou, donc on va dire qu'ils y sont, voilà. Alors,
qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font rien. Donc, j'ai un petit programme. Je pense, après, si vous avez des idées de ce qu'on pourrait leur faire faire, je suis preneuse. Sachant que leur histoire, je vous rappelle, c'est... attendez, on va retourner voir vite fait ce que c'est. Je vais vous la relire. Alors, l'intrépide Liberty, la joyeuse Summer et le geek Travis sont des amis improbables que rien ne peut séparer. Sauf peut-être les sentiments que développent Summer et Liberty pour Travis. Donc déjà, je veux que Travis se péchote les deux, hein ? Normal. Mais après, je sais pas ce qu'on peut faire. En fait, je pense que il va pas le faire en mode connard, vous voyez, enfin, je sais pas. Il va se rapprocher d'une et de l'autre, mais sur des sujets différents. Je pense qu'il va faire du sport avec Summer et il va faire des jeux vidéo tout simplement avec Liberty. Sauf que au bout d'un moment, enfin, choisir mon petit Travis ou pas d'ailleurs. Ou pas. Allez, joue avec Liberty. Summer, arrête de regarder la télé. Et va te rhabiller, wesh. Ouais, alors, ils sont tous en pyjama parce que... un trouble. Je sais pas, on peut pas malheureusement dans les Sims. Oui, tu aimes les jeux vidéo. Oui, bah toi aussi, oui, c'est le principe. Il a deux femmes pour lui, le petit cochon. Et pourquoi pas? Pourquoi on doit se normer? En vrai, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Tant que les gens sont heureux, moi, je m'en fous. Hein. Hop. Et ben voilà, elle est partie, Ecstasy. Elle a encore ouvert mes tiroirs. Elle est insupportable. L'autre jour, elle commence à ouvrir mes tiroirs. Je fais, Ecstasy, mes tiroirs. Donc, elle s'en va. Et deux... 10 secondes après, j'entends Ruru. Ecstasy, mes tiroirs! Ça m'a trop fait rire. Quelle chieuse! Je sais pas pourquoi, hein, ils veulent ouvrir mes tiroirs, mais y'a rien dans mes putains de tiroirs. Enfin, si, y'a plein de bordel, mais. Bref. Bon, Summer, tu vas arrêter de regarder les jeux vidéo, puis tu vas aller faire du sport! Parce que tu es une sportive, il paraît. Donc va t'entretenir. C'est vrai qu'elle a des épaules de nageuse. On est en été en plus. Bah voilà, c'est les grandes vacances, donc il n'y a pas la fac. La fac commencera en automne. D'ailleurs, il y a 15 jours ou... Non, il y a 14, il y a 7 jours, donc on va changer ça tout de suite. Brrr. Bah non, pourtant... Ah, voilà. Donc là, il y a vraiment 28 jours de... Ça va être long. Je pense 14, c'est bien. 14 jours Sims sans saison. 28, je crois que c'est un peu long. Mais au pire, c'est pas grave. Bon, bah, Summer qui frappe dans un sac. Wouh! C'est ça, la fit girl? On dirait moi à la salle, s'il te plaît. Eh! J'y vais pas. Quand j'irai, je veux dire. On dirait moi quand j'irai à la salle. Bah, vous avez déjà fini, vous? Bah, recommencez, wesh. Ah, il a des affinités avec Summer, mais pas avec Liberty, apparemment. Regardez, il a un puzzle qui s'emboîte. Il n'y a pas que le puzzle qui va s'emboîter, si vous voyez ce que je veux dire. Clin d'œil bien lourd et bien beauf. Coucou Samantha, comment tu vas? Ça a été ton taf la dernière fois? Je sais plus quand. C'était quand?
Mercredi, non? Je sais plus. J'ai un trou. J'ai un trou dans la tête. J'ai un trou dans la gorge aussi, mais ça, c'est une autre... Je sais même plus ce que j'ai dit, mais je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dit pour que tu me répondes, nous voyons, mais j'ai oublié. C'est dingue d'oublier aussi vite. De quoi on parlait? Ah, super, les vacances! Tu vas aller te promener quelque part ou tu vas rester chez toi? En fait, je suis complètement intrusive, hein, t'as le droit de pas me répondre. L'emboîtage, ah oui, yes! Yes, yes, excuse, miss. J'ai du mal à connecter les wagons, moi. Ah. Bah, c'est tout? Oula! Oula là! Il y a un clodo à la porte. C'est Wolfgang, ça. Tu veux quoi, Wolfgang? Oh, la vache, vivement contre-look, mon vieux, hein. Oh, cette gueule. Je suis en Belgique. Je rentre demain. D'accord. Bah, amuse-toi bien chez nos amis les Belges. Les Belges, une fois. L'accent est nul. Enfin, mon imitation. J'étais à Lyon. Je suis allée une fois à Lyon, c'est trop beau. Il a l'air sympa, hein. Oh, mais cette face. Oh, mais rien ne va. Ni le devant, ni le côté. Wolfgang, mon pauvre vieux, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, le monsieur derrière, il a l'air sympathique, par contre. Et j'ai cru voir d'autres gens. Là, il y a une vieille. J'ai cru voir un hot dog. Ah non, c'est... Oh, c'est là. Oh, c'est la caliente. Oh, j'ai reconnu ses cheveux. Vous allez dire, j'ai reconnu son boule. Eh ben non, j'ai reconnu ses cheveux, bande de pervers. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, c'est un ado, en plus, casse-toi. Casse-toi. Ah, c'est qui? C'est une random. Et ça, du coup, c'est qui? Marcel Price. C'est quelqu'un... Marcel Price, ça me dit un truc. C'est pas d'un grandir ensemble, justement? Je sais pas, mais on en mangerait bien au goûter, hein, si vous voulez mon avis. Alors, c'est la caliente, ça. Eh ben voilà, j'avais raison. J'avais raison. Oh. Voilà, t'as pas oublié d'être aimable, toi. Hein. Eux, la gueule. Je peux être méchante, c'est un Sims. Bah écoute, encore un peu et son menton touche son pif, hein. Regarde, on dirait un bec de perroquet. C'est pas possible, ça, c'est la fille d'une vraie sorcière ou quoi? Non, mais sérieusement? C'est laquelle, Nina? Katrina. Katrina, on va te refaire le portrait, ma vieille, hein, parce que ça va pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Ah, elle, c'est la sirène. Ah non. Ça, c'est qui? Je sais pas. Des randoms, sûrement. Quoique, peut-être pas elle. Oh, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdue, tout ça, tout ça. Faire de la chirurgie. Ah oui, oui, non, mais là, elle va y passer au bistouri, hein, la pauvre vieille. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire à tous les deux? Déjà, vous allez vous habiller correctement. Tu m'as dit que c'était Fred de Scooby-Doo. Maintenant, je vais chanter Scooby-Doo, Didi. Hein. Ah oui, peut-être. Je me disais être trop bien habillée pour être un PNJ. je me tâte. Et merci pour le conseil, Samantha. Moi, je vais pas y aller. Enfin, je pense pas y aller. Mais bah, Golden qui me fait mes smileys, il est beige.
Et du coup, on en entend souvent parler. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment belle, hein, par contre. Bon, tu peux te casser, en fait. Casse-toi. Casse-toi. Voilà, ça se fait pas de regarder comme ça à la porte des gens. Ça ne se fait pas. Ouais, c'est Zoé, ça. Ouais, c'est ça. Elle marche. Ok. Bon, je sais pas quoi leur faire faire. Il y a Summer qui s'entraîne ou elle a fini. Déjà, t'as déjà fini, meuf? Ah putain. Bon, ils vont aller faire un tour, tiens, tous les deux. Je sais pas où par contre. Bouge ton corps, bah non. Non. Le velours bleu, boîte de nuit, bof. Un truc de geek, ça serait un bar karaoké, je pense. Ici. Ah, à Lyon, oui, pardon. Ah, j'étais allée il y a longtemps parce que j'avais mon ex là-bas, enfin à côté. Et on avait visité le comment s'appelle le parc de la tête d'or, non? Ou du lion de la tête d'or, je sais plus comment il s'appelait, mais il était trop beau ce parc. Et pour moi, les parkings, c'est gratuit, je suis handicapée. La meuf profite du système jusqu'au bout. C'est pas moi qui ai inventé la loi, hein. C'est écrit. J'ai vérifié récemment. Et il est trop beau, ce parc. Alors peut-être que maintenant, il est plus beau, mais quand j'y suis allée, il était trop beau. Ah non, il est nul, celui-là. On va changer, en fait. On va se faire un karaoké tous les deux. Et ils vont chanter comme des casseroles, vous allez voir. Karaoké, c'est un truc de geek. Allez, on dit que c'est un truc de geek. Ils vont chanter l'opening de Naruto, là. Parce qu'en plus d'être des geeks, c'est des whips de merde. Allez, viens, Travis. On va chanter l'opening d'un truc pourri, là. La country. Bon, bah, d'un anime qui se passe au Far West. Allez, go. Mais elle marche comme une débile. Mais c'est pas possible de marcher comme ça. Par contre, Travis, tu peux arrêter de jouer à Candy Crush quand on est ensemble? Ah, je vous laisse écouter. Il a changé l'opening de Naruto. Ouais, bah écoute. Ah la vache. J'ai vraiment l'impression qu'il chante encore moins bien qu'elle, mais elle chante aussi très mal. Du coup, c'est assez affligeant. Bon. Ah, j'ai mal à l'ovaire. Ah, vous êtes ravis de le savoir, n'est-ce pas? Putain! Ça me fait des espèces de décharges dans l'ovaire et dans le cul! C'est pas possible ça! D'où? Ah bah non, t'arrêtes quand je viens de voir, tu chantais pas si mal toi! Oh, c'est bon, c'est fini là! Oh, regardez-moi tous ces cons! Bon, on va se prendre un petit verre. Un petit verre, hein?
pour le groupe de la Vuter Sabir. Je sais pas ce que c'est, mais go. Il y a un autre type qui chante mal là. Attends. Mais il est super moche. Ah non, ça va. Ça va. Il a juste les oreilles de Sarkozy, mais... C'est pas très bien isolé, hein. A Mookie Groba. Arvind Dufour. Wegrin. C'est pas le mage, lui? Si, si, c'est le mage de la magie. Il a le symbole verte, mais je sais plus c'est quelle magie. Je sais plus le nom de la magie qui contrôle. Je sais plus le nom des magies, de toute façon. Ouais, je tape un bon petit date là. Bon, si vous pouvez un peu plus parler. Et du coup, vous avez même pas vos verres. Super quoi. Pensée profonde. Débattre de l'existence des vampires, c'est un truc de geek. Loisir, bah débattre des jeux vidéo, évidemment. Alors toi, c'est quoi ta meilleure façon de tuer les Sims? Comment ça, on est des Sims? Ensuite, ils vont parler de jeux vidéo, simplement. Ouais, c'est trop bien les jeux vidéo. Après, il faut faire un peu connaissance. Après, il va faire une blague parce que les blagues, c'est rigolo. Il va parler... Ah, bah la blague sur les pingouins, celui qui respire par le cul, qui s'assit et qui meurt. Voilà, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est hilarant. Regardez, moi-même, actuellement, je suis morte de rire. Elle va faire les yeux ronds parce que c'est rigolo et qu'elle est un peu fofolle. Ensuite, elle va le soutenir sur sa barbe alors qu'il en a rien à foutre de son avis. C'est son corps, il fait ce qu'il veut. Ensuite, insupportable. Insupportable, ce let's play. Pratique. De quoi pratique? Je sais plus. Ensuite, ils vont parler de leur centre d'intérêt. Vous s'enthousiasmez à propos de la nouvelle série. Tu as vu la série sur... Tu as vu que la nouvelle série de Netflix, ça va être Narnia et ça va être fait par la réalisatrice qui a fait Barbie. Tu crois qu'on doit encore s'attendre à plein de wokisme? J'espère pas, parce que j'aime vraiment Narnia. La magie pratique. Ah, oui, c'est ça. Merci. Et elle, c'est la magie je sais plus quoi. Elle est très laide, d'ailleurs, cette pauvre femme. Mais ferme ta gueule, Mathéo! C'est très mal isolé chez eux, hein. Voilà, ils discutent, hein. Scute. C'est pas mal, hein, ça montre leur amitié. Ensuite, pensée profonde, conversation profonde. On va peut-être pas lui demander d'avoir un bébé tout de suite. On va se calmer, on va peut-être d'abord faire nos études avant. N'est-ce pas? Ils sont quand même... Ils sont grave beaux, hein. Là, maintenant, ils sont grave beaux. Attends, on va fermer le mur, là. Ah, quand on remet les murs, ça insonorise. Attends, c'est moi. Qu'est-ce que je fous là? Ah non, il pense à moi. Mais t'es qui? Voilà, t'es qui? Pourquoi tu penses à moi? Ah, il est beau lui. Lou. Ah, c'est un mec de... des loups-garous. Ah, bah c'est parce que je suis là, c'est pour ça qu'il pense à moi. Regardez comme je suis bégette, moi. Ouais, alors j'ai le truc d'immortalité. Je suis immortelle, ma gueule. C'est insupportable, ce truc pour faire des photos, c'est pas possible. Oui, je suis comme ça en vrai, mes seins tombent et tout. Je pense, je suis même plus grosse. Bon, bref. Et je suis plus petite aussi. Donc du coup, ça fait encore plus effet bouboule.
Vous me poussez, si je tombe, je roule, hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est la... Comment ça s'appelle? La loi de la physique. Ouais, je suis quand même trop contente de ce que j'ai fait niveau relooking. Franchement, ils sont bien. Ils sont bien tous les deux. Bon, après, Liberty, il n'y avait pas grand-chose à changer, hein. Juste sa coupe. Ils sont trop mimes. Ah ouais, j'aime bien le nez de Travis, il est un petit peu bosselé. Je vous ai déjà dit que j'avais une espèce de fixette sur les nez. Je pense que c'est la première chose que je regarde chez quelqu'un, c'est le nez. Et j'adore toutes les formes de nez. Je trouve ça fascinant. Ok? Laissez-moi tranquille. Bah monsieur, vous êtes triste? Bah alors? Bah alors? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Ah, je l'ai traversé. Elle a pas les lunettes de Vera. Quoi neuf Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre le mystère. Les indices après tout. Conduisent... Non, c'est pas ça. Les indices, après tout, conduisent à toi, mon chou. Quoi neuf Scooby-Doo? Oh, j'ai bugué. C'est qui ça encore? Mais casse-toi! Ah non, elle parle au barman, c'est bon. Et du coup, ils ont pas eu leur boisson. Hein. Ils se sont fait niquer leur boisson. Illumine sa journée. Oh, ça c'est trop mignon. Raconte-lui une histoire. Décrire l'invasion des robots. J'ai vraiment du mal à dire A et 1. L'invasion et pas l'invention. Comme sapin et sympa. Vous pouvez pas savoir quel effort ça me fait de le dire à chaque fois. Le dire correctement sans bafouiller. Sapin, sympa. C'est pas du tout fluide. Ça n'a jamais été fluide chez moi. Vous avez des mots comme ça que vous n'arrivez pas à prononcer? Vous bégayez à chaque fois, peu importe ce qui se passe? Même si c'est un mot très con que tout le monde dit facilement. Ça vous arrive? Vous en avez un? Vous êtes juste des génies de la... Bah j'ai oublié le mot. De l'addiction. Les génies de l'addiction. De l'addiction, pas de l'addiction. Bon bref. Allez, allez vous faire un autre petit karaoké là. Ah, il y a un concours de karaoké. Bon, on va éviter, hein. Pardon. Ah, c'est toujours aussi mauvais, hein. Zerba fleece della bleak and navy boo smish. Zernes boo noo boo. Zernes boo del slish. Bungee oops la blar. Is knee boo boo. Navy flea balls are. Navy boo can. Bungee oops la blar. Said Bob boo sim. Is knee boo boy. Vous imaginez que les chanteurs, enfin les doubleurs Simlish ont dû enregistrer plusieurs fois en chantant différemment bien. Genre vraiment, je chante comme une merde, je suis pas en rythme avec la musique.
Ça a dû être très drôle. Bref. Elle veut quoi la morue là? Lucia. Mais casse-toi, c'est notre salle. Mais cassez-vous en fait. Oh non, le Matteo, il va rechanter. Non. Allez vous asseoir ici parce que c'est bon là. Attends. Ah, c'est bon. Ils vont parler de... des meilleurs capitaines. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais casse-toi, Thomas! C'est incroyable d'être aussi chiant. Mais casse-toi! On veut pas te parler, en fait! Parce que c'est relou, ça. Pareil, quand t'es dans ton rancard, t'as toujours un random qui vient. T'as rien demandé. Ça fait 10 ans qu'on s'en plaint. Et ils ont toujours pas réglé ça. Et bah maintenant, c'est Matteo qui vient. Allez! C'est la foire à la saucisse. Vous avez qu'à vous entreniquer, là. Foutez-nous la paix. Bon, et bah puisque c'est ça, on se casse. On va rentrer parce qu'il fait faim. Et puis... puis il est tard, surtout. Summer, t'as fait à manger? Oui, j'ai fait de la salade. Tu m'étonnes. On va plutôt se faire un bon sandwich au fromage. Bon sandwich, Samir. Oh, c'est Travis qui va les faire, tiens. Allez, homme, fais la cuisine. Pendant que Summer et Liberty, j'allais dire Lulabi, elles vont se raconter leur vie. T'as un meuf à même du maquillage pour le sport, quoi. Je sais pas de quoi ils vont parler. Ils vont parler de, je sais pas moi, un truc de merde. Non, pas amour. Open. Vapin. Lopi. Mais j'ai une question. Est-ce que j'ai pas fait gaffe? Est-ce qu'il y a vraiment des couples homosexuels dans les PNJ? Ou est-ce qu'ils sont ensemble, mais ils sont pas mariés? Enfin, ils vivent ensemble, mais ils sont pas mariés, ils sont pas en relation et c'est à nous de la faire. J'ai un doute, hein. Ouais, non, il n'y a pas de place, clairement. Bon, Summer, tu vas prendre un plat, tu me fais pas chier. Oh, relou. Allez, Travis, rejoins les meufs. Pour discuter. Ah oui, j'ai mis plein de lucioles. Oh, c'est trop bien. Regardez, les petites lucioles. Trop mignon. Oh là là, il y a des lucioles partout. Bref. Je
juste allumer les bougies. Pas sûr qu'il en ait lui. Parce que je crois qu'il y a deux gays dans Brindleton Bay et peut-être les deux meufs de mariage bah, dans Tartosa, mais... Et franchement, ça me fout vraiment... Je suis vraiment intriguée, je vais aller voir. On va voir à quel point EA est faux cul. Ça vous dit? Après, peut-être que je me trompe et ce serait tant mieux. Alors, déjà ici, il n'y en a pas, c'est sûr. Ici, il n'y en a pas. Il y a un donjon et il y a les plaines aux as. Il y a un mec célib. Et là, ici, ils s'entrebaisent, mais c'est pas... Non, ou alors c'est la meuf qui est pour trois mecs. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, ça n'a pas été dit. Ici, bah ici, il n'y a personne. Je suis un peu con, moi. Là... Enfin, c'est un vieux et des ados. Ah, peut-être deux. Gna gna gna, Joaquin ont peu de choses en commun. Sauf qu'ils aiment tous les deux les bonnes choses de la vie. Ouais, eux, c'est juste des colocs. Ils sont pas ensemble, c'est des colocs. Là, elle, c'est des colocs, je crois. Hein. Gna gna. C'est pas dit, hein. Je sais pas comment on voit. Faut les jouer. Attendez. On va vérifier. On va faire la petite fouine jusqu'au bout. Ceux des chiens et chats sont mariés. Je crois aussi, mais je suis pas sûre. Ici. Ici, c'est juste des colocs. Ok. Les meufs, là. Je crois que c'est des colocs aussi. Colocs. D'ailleurs, elles, son look, c'est pas possible, non? Là c'est une famille classique. Famille classique. Là c'est des colocs. Là je crois que c'est des sœurs elles. Il me semble. Ouais c'est ça. Ici. Bon là il y a les jumeaux incestueux. Dans ma tête évidemment. Ah Saint-Michonneau j'ai oublié. Elle est seule. Ici, coloc. La grand-mère et le fils. La mère et le fils. Eux deux. Lui, il est tout seul. Là, une famille classique. Le mec est tout seul. Donc, là... Peut-être deux, peut-être qu'ils sont mariés, ouais. Ouais, aux jeunes mariés. Ok, on a un couple gay à partir de chien et chat. Là, c'est couple classique. Quand je dis classique, vous comprenez, hein. C'est pas... Tout devrait être classique, mais bon, je veux dire couple hétéro, si vous voulez, je m'en fous un peu. Ici. Ici, elle est toute seule. Elle est toute seule. Et eux, c'est une famille hétéro. Strangerville. Ouais. Osef. T'es adopté, toi? Il est trop beau, lui. Bref. J'ai jamais joué avec eux. Je sais même pas qui c'est, les gars. Ça ou à Pili, mais c'est des randoms ça, non? J'ai jamais vu ces gourgandines là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un homme, une femme, un pingouin? Ah, je crois que c'est à partir de là où ils ont mis des gens où on sait pas. Ok, si vous voulez. Je sais pas. Bisous, Samantha! Merci d'être viendu. C'est bien les bonnes familles. Bah pareil, je sais pas. Ici, famille hétéro, ouais. Ça fait pas beaucoup, hein. Avec un couple gay, c'est pas fou, hein. Ça vaut le coup de nous pomper l'air avec ça pour même pas en mettre, quoi. Pardon, il y en a un. Ça va chier loin. Il y en a un si tu prends un add-on. La dame, elle ressemble trop à celle de Ranch, Sarah Scott. Ah là, c'est des pépés! Ah, c'est trop mignon, c'est des pépés ensemble! Oh! Ok, ça fait deux! Deux couples gays. Oh, c'est trop mignon! Ah, je valide! Je valide à 800%. Bah là, normalement, il y a les deux meufs de la bande-annonce, non? Bah même pas. Ah mais c'est eux deux les casse-couilles là qui nous ont éclaté les oreilles là. Bah attends. Y'a même pas les meufs de la bande-annonce et de la pochette, je suis trop déçue. Bah ok, super. Attends, ça veut dire qu'ils ont fait une bande-annonce basée exprès sur un couple lesbien et il est même pas dans le jeu? Ok. La déception est présente. Là, c'est... Ouais. Ah, Price. Je vous avais bien dit que c'était une famille... Ah bah, c'est de lycée, du coup. Je me suis trompée. On a vu le type là qui marchait. Prescott. Ouais, non, hein, c'est. Y'a même pas de couple lesbien. C'est nul. Remboursé. Ah, y'a peut-être, éventuellement. Ouais, non, même pas, elles sont pas ensemble. Dani et la meuf. Elles sont pas ensemble. J'avais vérifié. Ouais, et ben tout ça pour ça. Hein. Bref, excusez-moi pour cet intermittent. On reprend. Interlude. Bref. Putain, il est 3h du mat, on va peut-être... Hop, Travis, il va se coucher. Da da da.
Et du coup, demain, il va... Ah, mais en plus, ils ont des métiers, attends. Oh ! Lave-vaisselle en chef. Aïe, 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 elle travaille dans 4 heures. Toi, tu fais quoi ? Nettoyeuse de nodules, pardon, et assurance qualité. Ok. Ah oui, ils travaillent tous là, en fait. Aïe. Summer, ça va piquer aujourd'hui, ma petite chérie. Mais pourquoi il se lève, lui ? Mais c'est bon, on redort un peu, non ? Ah bah non, il est tout fringant. Bon, écoute. Ok, Missou, bonne nuit si tu t'endors. Et merci d'être bien dû. Ah merde, le lit est pas confortable. Mais c'est chiant. Bon bah tant pis. Waouh. Donc elle va laver la vaisselle comme ça. Bah je sais que ça éclabousse, mais faut peut-être pas abuser, Summer. Il y avait pas un code pour changer leur tenue au travail. Si quelqu'un peut me le retrouver... Le smiley, pardon, il m'a tué. Si quelqu'un peut me le retrouver, je vous en remercierai grandement. Parce que là, c'est pas possible, juste. Rien ne va, en fait. Aïe, 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 mon pauvre Summer. Allez, bon voyage, hein. Va bien laver la vaisselle, hein. Dur. Merci. Merci Missou. Merci beaucoup. Des bisous sur tes nichons. Tu nous en voudras pas, mais on va enlever ça. Aïe, aïe, aïe. On va juste mettre un brillant à lèvres, hein, ça suffit. Voilà. Alors les gants, ça va pas être possible. Il n'y a pas un... Je crois qu'il y avait un costume avec un tablier. Je retrouve. Non, ça c'est chimiste. J'étais sûre qu'il y avait. Ouais, elle est mignonne. Après, on l'a un peu retouchée parce que de base, elle est pas folle folle. Ah, ça. Ouais, non. Le serveur, ça. Ça, pour la plonge, c'est bien.
et on va plutôt te mettre un espèce de chignon serré. Parce que bon, t'es quand même en cuisine, meuf, donc bon. Je crois pas qu'il y ait de Charlotte. Il y a peut-être une Charlotte. Attendez. Oh, c'est trop mignon avec le petit nœud, mais non, c'est pas ce qu'on veut. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Non, 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 c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Non, pas ça. Genre ça. Non. En vrai, c'est pas ouf. En plus, je crois que c'est des vrais chapeaux d'une culture que je ne connais pas. Donc on va éviter de froisser les gens en disant que j'ai une Charlotte. Mais pour moi, c'est un peu ça, mais bon. Voilà. Allez, on part là-dessus. Ri ! Quoi, Ri ? Je t'ai froissé. Ah, re, peut-être. Genre re. Oui, 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 pardon. Travis, on va la changer aussi pour toi pendant qu'on y est parce que ça se trouve, c'est tout désastreux. Me revoilà. Oui, 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 oui. Ah ouais. Ah ouais, non, pas, non, le chapeau, non, 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 non. Autant le reste, je dis pas, autant le chapeau, ça va pas être possible. Il fait quoi, lui? Vente ou je sais pas quoi? Alors, je sais que la vente, c'est un peu plus cool, la vente d'informatique. Assurance! Ouais, non, tu vas être un peu plus présentable, mon vieux. Une petite chemise, au moins. Petite chemise. Bien, là, t'as vu. Voilà, celle-là, c'est pas mal. Tu vas bien vendre avec ça, à mon avis. Tétons à l'air. C'est pour les mecs, ça? Ok. Faut vivre avec ton temps, Lupina. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 je suis d'accord, ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Excusez-moi, hein, de... Excusez-moi. C'est vrai, j'abuse un peu. Voilà. Ah. Et elle fait quoi déjà? Réparatrice de nodules. Je suis pas sûre que... Je suis pas sûre, hein. C'est quoi des... De modules, pardon. Ça me fait penser si jamais en vrai le t-shirt a l'air correct hein. Je pense que je vais le laisser. Peut-être plus mettre des chaussures de sécurité. Je sais pas trop ce qu'elle fait en vrai. C'est pas scientifique. Ouais ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Si jamais vous ne savez pas quoi regarder, je vous invite à regarder sur YouTube le visiteur du futur.
ce qui à la base est une web série. Et ils ont tellement développé leur univers et tout que c'est sorti en film. Enfin, il y a eu un film dessus. Peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais c'est chouette. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, je trouve pas ce haut. Il doit être bloqué, je sais pas. Bon, on va lui laisser ça. Voilà. Mais t'as pas été aux toilettes, Travis? Bon, de toute façon, t'avais plus le temps. Faut qu'elle fasse quoi, elle? Jouer aux échecs. Bah ok, tu vas jouer aux échecs. Allez, va travailler, Travis. Regardez-moi. Je suis impeccable. En vrai, on pourrait le faire devenir streamer, hein. On lui fait quitter son travail de con et il devient streamer. Je crois qu'il y a en plus. D'accord. Elle nous a fait des vocalises, la Liberty, là. Par contre, on va changer ta démarche. Hein. Je suis désolée, mais ça va pas être possible de marcher comme un bonhomme, là. Un bonhomme bourré, en plus. Alors, je n'irai pas jusqu'à te mettre la démarche féminine. Non. Ça, voilà. Voilà, tu vas marcher normal. Et toi? Voilà. Et Summer? T'as la démarche de princesse. Voilà. Des os, pas des os. C'est ça. Je joue aux échecs toute seule. Je joue aux échecs toute seule. Ouais, il a gagné de la perte. Bon travail, Liberty. Vite. 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 Ça vous a manqué, ça. Vite. Vite. Bon, c'est Summer qui va rentrer en première. Summer, je pense pas qu'elle veuille travailler toute sa vie là-dedans. Hein. Je dirais même plus qu'elle s'en carre le cul. Donc, on lui fera pas monter ses compétences. J'estime que son petit boulot, c'est vraiment juste pour gagner sa croûte et payer ses études. D'ailleurs, qu'elle ne paye pas puisqu'elle n'étudie pas. On devrait la faire changer de métier, en fait. Elle va changer de métier. Elle va prendre un métier à mi-temps. C'est des petits boulots, je suis con. Des petits boulots. Voilà. On va prendre un métier à mi-temps, ça sera mieux. Oh là là, le pauvre chat. Après avoir bien fichu sa sœur, il dort paisiblement. Oh, ça recommence. Putain. Waouh. La chambre gamer qui scintille. Ouais, elle change de couleur. Petit boulot. Ah, c'est pas du tout ça que... C'est pas du tout ce à quoi je pensais. Ah bah non, ça ne m'intéresse pas. Non, bah, c'est dans les jobs. Les vrais jobs.
Du coup, j'ai jamais fait. Gros, changer de fringues de travail, c'est ça. Et j'ai jamais fait de. Attends, d'ailleurs, je vais me le noter, le code là. Merci, Missou, en tout cas. Et j'ai jamais fait de petit boulot, je crois. Code Sims, hop là. Sur son petit entraînement. On a gagné un peu d'argent, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'adore l'argent, donne-moi tout de suite. Non, merci, je sais très bien ce que tu veux. Tu veux que je me marie? C'est hors de question. Ouais, j'ai jamais fait. Bah, je sais pas. Je sais pas ce que je fous quand je joue, moi. Alors, du coup, ça va être... J'hésite entre employé de commerce, barista ou maître nageuse. Barista, employé de commerce ou maître nageuse? Préférez quoi? Ra 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 ra. La 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 la. Barista, ok, c'est parti. Mais Summer est pas gameuse, elle. Donc ce sera barista. Hop. Oui. Voilà, elle a pas besoin. Allez, vas-y, frappe. Frappe. Ensuite, t'iras aux toilettes et prends une douche. Travis, il fait quoi? Bah, et après, il est dans la programmation, hein, ça peut coller. Je sais pas. J'ai pas suivi, j'étais restée sur Liberty. Bah bravo, Didi! Tu n'écoutes pas! Je sais pas si on laisse là-dedans. Ouais, on laisse là-dedans et ça sera Liberty qui sera streameuse. Parce que c'est aussi une geek. Et lui, c'est vraiment le geek, genre le code et tout. Aller prendre ta douche, comme ça tu vas passer un petit peu de temps avec Travis. Viens. Viens discuter. Non, faut qu'il arrête de jouer par contre. Voilà. T'as passé une bonne journée? Demandez comment s'est passée la journée. C'est où? Voilà, c'est là. Bah lui aussi, il va lui demander. Parce que quand même, hein, ça se fait. Ensuite, ils vont un peu faire connaissance. Et puis là, Summer, elle va lui proposer un truc ultra cool. Viens, il pleut pas, c'est bon. Viens, on va regarder les nuages. Ah non, les étoiles, encore mieux, encore mieux. Viens, Travis. On va regarder les étoiles. Ok. Avec plaisir. Plaisir. Ah bah super. Vous pourriez aller tranquille dans l'herbe et vous vous foutez sur la terrasse. Bon, soit. Soit. Je sais pas hein, s'il va se prendre des claques. Ah, Liberty est rentrée. Elle va changer de métier. De 21h à 23h. Ok. Ah.
Il lui faut un logo. On va mettre sa tête parce qu'elle n'a pas honte d'elle. Alors, en entrepreneuriat, en jeu vidéo. Ok. Faut commencer tout de suite en plus. Bah, le temps d'aller aux toilettes, puis on commence. Hein. Par contre, du coup, on va peut-être lui prendre un meilleur PC que ce petit truc parce que là, c'est pas ouf, ouf quoi. Allez, on va te prendre un vrai PC, ma vieille. Tu vas pas en reviendre. Ah non, il n'y a pas de place. Celui-là alors, il n'y a pas de place. Voilà, il y a de la place. Et c'est où? La question est, c'est où? Diffuser une vidéo en direct. Carrière? C'est ça. Hop. Eux, ils sont toujours à regarder les étoiles. Ils sont bien. En plus, ça montre bien l'amitié. Ça, c'est cool. C'est ça. Bah vas-y, grognasse. Elle peut pas. C'est ça, tu peux pas. C'est bon. Salut à tous, c'est David Lafarge. Bonjour tout le monde, ici Liberty. Je reviens de mon travail, alors je me suis pas changée. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ah, merci Alex Trumfy pour ton abonnement RP Twitch. Oh là là, mais que va-t-il se passer? Ah, j'ai peur. Oh là là, c'est effrayant. Oh mon dieu, oh là là, j'ai trop peur. Ah! En fait, c'est drôle. J'ai pas du tout peur. Je suis une warrior, moi. Elle appuie sur des touches comme si elle faisait des trucs. Et d'ailleurs, c'est génial. Genre, ils ont fait des décors Sims, c'est tout. Trop bien. Ok. Vioum, vioum. Je sais pas, ça a l'air d'être un RPG. Peut-être un peu horreur. Mais pas forcément. Ok. Elle l'a battu. Ouah, t'es trop forte. D'ailleurs, son pseudo, c'est Liberty Lily. Oh my goodness. Ah non, j'ai perdu. J'ai chier. Bon bah, c'était Liberty. J'espère que vous avez aimé. Mais du coup, c'était pas ça. Diffuser en direct, c'était pas ça. C'était ça, hein. Je sais pas. Bon, vous êtes en train de crever de faim et tout, là. Alors, vous arrêtez de vous compter fleurette. Vous allez manger, s'il vous plaît. Je mets un j'aime et je partage. Yes. Allez, un pipi avant de dodo. On se brosse les chicots. Et au lit. C'est chiant parce que ce lit, il est beau, mais il lui fait mal au dos. On va peut-être lui en mettre un autre. Hein. Parce que il est trop beau. En plus, ça saoule. Ah ouais, il faut un qui est plus. Un confort 1.
Ouais, ils sont tous inconfort 1. Regarde, c'est nul. Bon, bah celui-là alors. Mais je le prends tout le temps, celui-là. Ok, Travis, tu dois améliorer la programmation. C'est ouf. Programmer, s'entraîner, vas-y. Allez, c'est bon. Au revoir tout le monde, merci d'être venu. Et ça n'a pas marché. Effectuer l'action diffusée en direct sur un ordi. Bah là... Oh, elle a 4 abonnés. Ouais, il est très trop beau. Mais je comprends pas où c'est. Peut-être dans jouer? Non. Je suis trop con. Je suis trop con et j'ai pas vu, je comprends pas. J'ai pas compris. Diffuser une vidéo en direct. Bah, il y a que ça en fait. Diffuser en direct terreur dans la crypte. Ouais. Je voulais les faire souffrir, mais en fait, je me suis un peu trop attachée à eux. Du coup, j'ai envie de les faire réussir. Ah, putain. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Non, bah, je sais pas. Oui, là, je cherche des... Peut-être dépasser tes horaires. Peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, il est hébété, pourquoi? Brouillard mental. Il a la tête qui tourne parce qu'il fait un burn-out. D'accord, d'accord, on arrête, on arrête. On arrête de programmer, on va jouer. Voilà. Puis en fait, il est 3h, on va dormir. Voilà. Allez, bonne nuit, Travis. Fais des beaux rêves. Ouh. Bon travail, Summer. Vite, 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 vite. Vite. Je dépêche pas la meuf, hein. Bon, eh ben écoutez, il est 7h du mat, elle va aller nous faire un petit footing. Allez hop! Go! Une, deux. Ah ben elle est sportive, hein. D'ailleurs, on lui a même pas enlevé son maquillage, j'ai zappé. Je sais pas ce que j'ai foutu.
Ouais, elle aime le fitness. Parfait. Parfait, Summer. Maintenant, tu vas nous faire un bon petit déj. Préparer petit déjeuner. Enfin, je voulais un truc sucré. Moi, je suis un peu déçue. Bon, bah, cuisiner. Peut-être qu'après, elle sait pas faire grand-chose. Beignet de saucisse. Je suis désolée, ça m'a fait rire. Pancake, c'est pas les faire encore. Merde. Des pancakes. Bon bah du coup, on va faire de la brioche. Ah mais c'est que de la déco le thé. Merde. La 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 la. Salut Summer, ça sent bon ce que tu fais. Oui, je fais de la brioche. Oh cool, je peux en prendre. Mais bien sûr. Merde. Bah alors, tu t'es levé tôt? Bah oui, c'est mon travail de barista, je me lève à 5h. Oh la purge. C'est l'heure à laquelle je me couche. Elles rigolent toutes les deux comme des poufs. Voilà. Elles sont contentes. Summer va même se permettre une petite blague sur les hommes politiques. Voilà. Ah, Travis est debout. Travis il va venir en pyjama, il en a rien à foutre. Salut les filles. Salut Travis. Voilà, elles vont le dire ensemble. Et va leur dire, vous avez bien dormi? Oui, et toi, tu as bien dormi? Bah bien sûr, j'ai rêvé de vous deux, c'était assez... Non, en fait, j'ai pas rêvé de vous deux, oubliez ce que j'ai dit. On se demande de quoi t'as rêvé, Travis. Oulala. Je rêvais qu'on faisait des pancakes. Ah, d'accord. Ah, faudrait qu'on en fasse. Ouais, ok. Bon, c'est le tour de Liberty de faire la vaisselle. Summer, tu vas ranger ça. Qui veut jouer avec moi aux jeux vidéo? Oh, ils vont jouer tous les trois, tiens, dès que les filles ont... En plus, c'est un truc... Oh! La convention geek! Bah, je suis désolée, il va falloir y aller avec Liberty, hein. Bon, déjà, ils vont jouer tous les trois. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, on va pas travailler, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. En vrai, je vais lui faire changer de travail aussi. C'est des travaux qui prennent trop de temps. Et on n'a pas le temps. Déjà, on les fait pas aller à la fac pour ça. Donc... Après, il a débloqué une étape, Travis. C'est quoi que t'as eu? Première promotion, à trouver un travail. Si tu veux. Ok, Summer. Summer, t'es fatiguée. Tu m'étonnes, tu vas aller nous faire une petite sieste. Et pendant ce temps-là, les deux oufs, là, ils vont aller au festoche. Alors, dans quoi on le met? On va faire un petit métier aussi.
Bah, je pense qu'il va faire streamer aussi, hein. Non, 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 attendez, excusez-moi, je me suis trompée d'horaire. D'horaire. Vous streamez de 5h à 7h, ouf, quoi. Bon, voilà, allez, go. Oui. Et lui, il aura... Non, mais il aura sa tête aussi. Oui. Voilà. Donc, change-toi et puis vous allez au Festival des Geeks. Tous les deux en amoureux, même si vous n'êtes pas encore amoureux. Mes médocs. Yeah. J'ai envie de faire pipi. J'aille faire pipi. Vous êtes contents de le savoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci aux 8 gens qui sont là, en tout cas. Il est déjà 22h, je pensais pas. Ah ouais, t'as chaud toi. Mais enfin, il fait froid. Il fait frais et t'es à poil. Calme-toi. À la limite, mets ta tenue de fête. Parce qu'ils les mettent jamais, donc mets ta tenue de fête, toi aussi, tiens. Ouais, bon, ils changent dans la rue, c'est un détail, ok? Bon, alors. Qu'est-ce que vous allez faire tous les deux? Qu'est-ce qu'il y a à faire, déjà, dans cette convention? À deux, j'entends. Espionner les appartements. Ça, c'est un peu rigolo, ça. Ils peuvent le faire tous les deux? Oh non, il y va que tout seul, c'est nul. Bon. Vas-y, va explorer l'espace. Alors, qu'est-ce que tu vois, Travis? Bon, on n'ira pas jusqu'à rester et régner. Et du coup, ça a donné quoi? Je sais pas. Alors, on va acheter la boule à neige, le truc à machin. Oui, le truc à machin. Et le t-shirt du festival, évidemment. Participer au piraton. Tu vas pas gagner, mais c'est pas grave. Nous, on va acheter le t-shirt aussi. Un peu pas. Bon, bah, on va acheter une babiole alors. Ah oui, parce qu'elle a une robe. Pour plaire à Travis. Ouh, Travis. C'est quand ils peuvent pas faire de trucs ensemble là, vraiment. Ils peuvent pas jouer ensemble. Si, à la console, à la limite, mais c'était pour jouer ensemble à la console, enfin... Bah, ils pouvaient rester chez eux, en fait. Oh la Nancy! Oh, j'ai hâte de te relooker, toi, tu vas pas y couper, ma vieille. Alors là... On va bien te chirurger comme il faut, ma petite. On va essayer de marchander.
Bon, tant pis. Bon, bah, on prend un hot dog alors. Oh, il y a la mort. Quelqu'un est mort. Ou c'est un cosplay de la mort. Ah, c'est Dark Vador là. Et là. Ah ouais. Mais j'ai des cosplays, c'est nul. Elle aussi, elle va aller espionner les voisins. T'as pas mangé ton hot dog, Liberty? Mais ça finit quand le piraton? Bon, vas-y, arrête. Va aux toilettes, voilà. Et ensuite, on va profiter avec, avec notre chère Liberty. Bah, elle a pas du tout mangé, en fait. Mais elle a commandé, au moins. Bon, bah, tant pis. Bon, ils vont discuter. Ils vont aller s'asseoir quelque part. Ils vont aller s'asseoir ici. Tiens, il y a Leia. Elle ressemble un peu, hein. En vrai. Ah bah c'est Hillary, tiens. Bon, de loin, elle y ressemble, par contre. D'abord, vous allez jouer à un jeu tous les deux, un jeu de course. Voilà. Et après, je pense que Liberty va passer aux hostilités. Mais délicatement, enfin en douceur. Et Travis ne va pas tout de suite comprendre que c'est de la drague. Et c'est pour ça que quand Summer va faire pareil, il ne va pas forcément comprendre non plus. Vous voyez, il est un peu con en fait. Parce qu'il n'a jamais eu une meuf. Puis pour lui, bah, personne ne peut s'intéresser à lui. Je veux dire, c'est juste un geek. Enfin, vous voyez quoi. Alors vas-y subtilement. Non, non, pas l'intimité. On se renseigne tranquille sur la relation, sur l'orientation amoureuse, sur... on va complimenter son apparence, voilà. N'est-ce pas? Ben oui. Taquiner pour flirter. Voilà, ça, il va pas comprendre. Bon, en vrai, c'est un peu trop... Bon, c'est pas grave. Oui, pendant ce temps-là, il fait des blagues parce qu'il est con. Voilà, il blague sur les poils. C'est très drôle. Ah, bah d'accord. Mange le burger. Elle lui a chouravé. Un truc de ouf. Ok, ça a fini comme ça, quoi. Oh là là, et l'autre, là. Bah du coup c'était un peu nul hein, le festival 47 sur 100 quand même, c'est pas mal hein. Non, casse-toi la morue là. Mais casse-toi, pétasse! On peut pas lui dire d'aller se faire foutre. Putain, c'est chiant. J'ai envie de la tuer, mais comme c'est une famille... comme c'est une Sims qu'on va probablement jouer plus tard. Voilà, casse-toi juste, en fait. Laisse-moi avec Travis. Oh.
Oh, et l'autre qui chante trop mal à côté, c'est infernal. Ah merde, faut qu'elle rentre. Bon, faut rentrer les gars. Eh bien, Summer profitera que Liberty ne soit pas là. L'étau se referme, Travis. Mais qu'est-ce que tu fous dans le lit de Travis? Tu l'attends déjà là-bas. Toi, t'es un peu rapide, là. Choupette. Bah, du coup, mais qu'est-ce qu'il va faire? Faire des longueurs? Bah, non, 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 tu vas pas faire des longueurs, non. Tu vas lui raconter ta journée, genre, c'est trop bien, le festival des geeks. T'étais pas là parce que tu dormais, mais c'est trop bien. Ah oui, c'est vrai, vas-y, raconte-moi. Ah là là, c'était trop cool. Ça m'intéresse trop, ta vie. Je vais bosser, moi. Bisous, bisous. Casse-toi. Casse-toi bien. Alors, Travis. Oh, par contre, Summer va être un peu plus entrepreneuse. Hein. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, la petite dame. Oh. T'es très beau, tu sais. Oh, c'est vrai, c'est la deuxième fois qu'on me le dit. Ah bon? Qui te l'a dit? Vas-y, sois sexy! Sois sexy! Bon, je pense qu'ils ont déjà leur numéro de téléphone, mais bon. Blottis-toi. Tu fais un massage, Travis. Ouais, ok. C'est très important de détendre ces trapèzes, Travis. D'accord. Bah, ok, alors. Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? Bah, il nous arrive que je vais te pécho, Travis. Ah, d'accord. Voilà. Ouh, Travis! Ouh! Ah merde, elle a accepté un don et elle s'est fait ban de Twitch. J'ai bien fait de quitter Twitch, dis donc. Bon, par contre, vous allez vous calmer. Parce que l'autre, elle va revenir là. Alors, bon, c'était très bien tout ça, mais je vais devoir aller me coucher. Je me lève tôt demain. Ouais, vas-y. Haha, laisse-moi avec ma gaule sur le canapé. Je vais aller manger, hein? Oui. Bonne nuit, Travis. Bonne nuit, Summer. C'est quoi cette phrase? Travis, programme-moi bien comme tu sais le faire. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vois là. Qu'est-ce qui vient de se faire griller là?
putain. Elle vient à peine de rentrer, elle s'est fait... Elle s'est fait électrocuter, la pauvre vieille. Ouh là là, je me sens pas très bien, là. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu de la lumière et pouf! Oh merde! Bah alors, ça va aller? Elle me bave dessus. Ouais, ça va aller, ouais. Ma merde alors! Ma pauvre! Non mais ça va! Hein. J'ai vu les étoiles de près! Ah ouais! Ouh! Bah je vais aller me laver parce que je sens la friture là! Oh, ok! Ouh là là! Oh, ça va mieux. Pas du tout. Alors, Travis, qui viens là. Mais qu'est-ce que... Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Liberty? J'ai vu toute ma vie défiler devant moi et je me suis dit, je l'ai même pas embrassé, bougre d'âne. Et ben voilà, c'est fait. Bougre d'âne. Oh bah tiens, une rose, elle sort tout droit de mon cul. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Pardon. Ouh là là. Bon, ça te dérange pas, je te laisse faire la vaisselle parce que là je vais aller me coucher. Ah. Ah bah d'accord. Ou alors on fait une bataille d'oreiller. Ah bah ah ouais. Et se meurt le lendemain. Mais vous avez pas fait la vaisselle? Et bouh! C'est si drôle! On devrait essayer de faire ça tout nu la prochaine fois, quoi? Non, rien! Tout nu! Tout nu dans l'escalier! On n'a pas d'escalier, justement! Ça a besoin d'une bataille d'oreiller au lieu d'aller aux urgences. Ah, oh, t'as gagné, tu mérites le droit de... Je suis désolée, faut que j'aille me laver. Ah bah d'accord. Ouais, là, je sens la chaussette. Allez, bisous, Liberty. Oh. Mais regardez cette gueule de dragueur, là. Le gros tombeur. Je pète un câble. Et se meurt quand elle va rentrer du boulot. Vous allez pas être déçu du voyage, le petit gars. Bon, tout le monde pionce ici, c'est perfect.
Travis debout. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as pris la foudre toi aussi? Hein? Ben non, n'importe quoi. Je voulais te proposer qu'on aille courir. Quoi? Courir? Mais quelle idée! Allez, s'il te plaît, je suis sûre que ça va te faire du bien. Ok. Bah ok, je veux bien. Mais y a pas à courir ensemble, c'est nul. Non, y a pas. Hein. Ok, let's go. Attends, j'ai pensé à la fête foraine. Bon, écoute, tu vas cliquer sur aller courir et puis toi aussi. En espérant qu'ils prennent le même chemin, mais j'ai des doutes. Ah, peut-être que si. Peut-être que non. Ah, si, peut-être. Oh, ils courent ensemble! Vous n'avez pas déjà fini quand même? Oh, c'est sérieux là? Mais vous venez de commencer! Ah bah non! Oh, vous me faites chier. Bon. En tous les cas, venez ici. Allez, arrêtez de courir là, c'est bon. Pendant ce temps... Dépêche-toi, Travis, on n'a pas tout le temps. Bon. Eh ben, tu cours bien pour un novice. Ah bah, merci, c'est gentil. Summer. Oh. Oh, un câlin. J'aime bien les câlins. Ça tombe bien, moi aussi. Pourquoi je peux pas le pécho, là? Et sinon, t'es vraiment très bon. Sexy. Sexy spaghetti. D'ailleurs, j'aimerais bien le titiller un peu plus. Quoi? Ton spaghetti? Quel spaghetti? Oh, laisse tomber. Ah! T'es stupide. Ok, si tu veux. Oh, super, il a envie de pisser. Non, mais va pas pisser! Attends! Elle va t'embrasser! Oh! T'as tout cassé! Mais non, mais non. Premier baiser, là. Voilà. Oh. Et là, tu comprends mieux? Ah bah, oui, je comprends bien, oui. Pardon, on se meurt. Faut que j'aille faire pipi. Voilà, fonce. Ah bah, super. Il est pas très dégourdi, ce garçon, hein. Ah. Je suis toute émoustillée, moi. Je suis sûre, il pisse avant d'arriver. Faut pisser, faut aller pisser, là. Go faire pipi. Go faire pipi. Mais si tu courais au lieu de marcher comme un plouc. Oh, c'est pas pissé dessus. Exploit. Ça va, Liberty? Oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, super. Alors, quoi de neuf? Bah, pas grand chose. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Cool. Ouais, cool. Cool, 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 cool. Ouais, cool. On est trop amis, toi et moi. Ouais. Je pense qu'on devrait être meilleurs amis. C'est vrai, je t'adore trop, ma besta. Moi aussi. Ma puce. Cœur, cœur, love. Il y a juste un petit problème, c'est qu'elle pécho le même mec, mais ça, elles ne le savent pas.
Bon, tu manges ton sandwich là? Ouh, bah lui, il a chaud au cacao, hein. Regarde-moi ce ton beurre là. T'es comme ma sœur. Ma sœur adoptée. Ah. C'est vrai? Ouais. Trop cool. Oh non mais Travis, par contre tu vas nettoyer ton assiette hein. C'est pas tes boniches les meufs hein. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont regarder les nuages. Ouah, elles sont trop mignonnes. Vous avez un immense jardin. Mais non. Vous allez regarder les nuages dehors. Tu sais, dans la rue, quoi. Ah, elles n'ont pas inventé le fil, hein. Bon, au moins, ça va monter leur amitié assez vite. Regardez comment ça monte vite. Vous voyez, par rapport à la souris. Ouah, trop vite. Ça va trop vite. C'est pour ça que j'adore cette interaction. Bah Travis, tu vas faire une petite diffusion en direct. Regardez, vous avez vu comment ça monte vite? Besta Sista! En vrai, elles seront meilleures amies, hein. Est-ce que des meilleures amies vont arrêter d'être meilleures amies à cause d'un mec? J'ai des doutes. Je sais pas. Ça peut. Parler de ses rêves. Voilà, devenir meilleure amie. Oh, elles sont best of friends. Best of forever. Forever. Anyver. Yeah. Ah oui, c'est vrai qu'elle veut pas. Si on l'assit pas avant devant le truc, c'est vraiment une débile, hein. Il y a des chaises comme ça, ça bug. Et c'est relou. Waouh, il a eu 9 abonnés. Quel homme. Allez nager tous ensemble. Elle le drague, hein. La cochonne. Ah merde, c'est déjà l'heure de leur taf. Mais... j'ai même pas eu le temps d'aller nager avec eux.
Bon, allez, la douche. Allez, go, au travail, là. Eh ben, au travail, du schmoll. Trop sympa, le jardin. T'avais pas vu, Didi? J'étais peut-être pas là. En vrai, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, je vous avoue. Bon, ma petite Summer, tu vas cuisiner. Enlever la nourriture gâtée, ça peut être bien. Ah yes, j'ai pas vu la super piscine. Et on va la débug cette dame parce qu'elle est buggée. Hop. Cuisiner. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? J'ai pas d'idée. Steak tartare. De viande crue. Pour les protes, pour les muscles. Bonne nuit les gars, bonne nuit Summer. Mais l'autre y va. Travis, c'est gênant. Non, je veux dire, elle dort quoi. Elle dormirait pas, ça irait, mais elle dort. Donc bon, c'est moyen quoi. Ah oui, c'est... Ah, il est quand même gêné alors que... Ah oui, ils ont pas encore niqué, c'est vrai. Avec qui il couche en premier? Dites-moi. C'est vous qui choisissez. Summer pour Didi et Os qui l'hésite. Summer comme c'est la plus chaude. Alors, c'est pas la plus chaude, c'est la plus entreprenante. Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'elles sont chaudes toutes les deux, hein. Mais Liberty, je pense, elle n'a pas eu d'expérience encore. Donc c'est sa première fois en quelque sorte. C'est sa première fois. Autant en amour que le crac-crac. Donc ils vont peut-être y aller un peu plus doucement. Cours, tu es très en retard. Eh ben écoutez. Travis, qu'on va courir? Non, on va faire autre chose. Mais c'est aussi du sport. Non mais t'entraînes pas la guitare tout de suite. D'autres trucs à faire avant. Oh. Ok. Ok, let's go. Liberty, pendant ce temps, ne se doute d'absolument rien. Elle n'entend rien car les murs sont très très bien isolés. N'est-ce pas? Encore.
Et il lui faut quoi pour le taf? Je faisais une vidéo en direct, ouais, bon, comme d'hab, quoi. Hop, à nettoyer, puis elle va lancer son live en pyjama, oui, tout à fait. Et pourquoi pas? Par contre, s'il n'y a que ça... Elle joue toujours au même jeu, la meuf. On va changer de chaise parce que ça commence à me gonfler. Là, tu peux? Viens ici. Non, c'est pareil. Bon, bah tant pis. Ok, mon Travis, là, il va aller se laver. Même s'il est pas sale, quand même. Pendant que Summer se repose dans le lit du crime. Pourquoi tu vas pas manger? Je t'ai dit d'aller manger. Et ensuite elle va aller courir. Et Travis, il va aller faire son live. Gagner 4 abonnés. 14 streamers parmi les abonnés. Ok. Bon, elle va aller prendre sa douche. Et ensuite, quand Travis aura terminé son live, bon, là, elle va aller discuter avec, genre, parler de mariage. Oh, c'est même pas son petit ami. Ah, mais elle peut pas parler avec pendant qu'il joue. Salut, t'es en live, j'ai déjà fait ce jeu. Mais casse-toi. Diffusion de vidéo réussie. Ah, si. Moi, je sais pas. Et là, Travis, il va lui dire, tu veux qu'on fasse l'amour? Oh, d'accord. Retourne courir, Summer. Retourne courir. On se rappelle les tenues habillées de sommeil. Chacune une chemise de Travis. Hein? Bah, j'espère qu'elles sont pas jalouses. Le gros coquin. Yes.
Qu'est-ce qu'elle veut, Clara? Non mais non, on est en train de courir là. C'est quoi tout ça? Oh là là, je me suis tapé tellement de meufs aujourd'hui, j'ai les couilles vidées. Bon, il va aller utiliser les chiottes. Liberty, la douche. Puis ensuite, tu vas aller bronzer, tiens. Se faire bronzer en maillot. Travis se faire bronzer en maillot. Et Summer aussi. Ah, ça va les potes. Ouais. Trop bien. N'oubliez pas votre crème solaire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce que tu es prévenante, Liberty? Regardez, ils sont tous synchro. Merci. Ils peuvent même pas discuter, genre en étant en train de bronzer. Bon, bah, vous discutez pas, hein. On dit que vous discutez, alors. Oh, la gueule qu'ils ont. Pas discuter, sérieux, c'est nul. Mais c'est nul, il fait très chaud en plus. Elle est contente, elle est protégée du soleil. Oh, eux, ils ont le feu au cul par contre. Hein. Ils ont le feu au fiac. Et après s'être bien bronzé, c'est bien parce qu'il y a toute l'ombre, donc il bronze que dalle. Ça m'a fait peur, putain. Parler de mariage. J'ai tellement envie. Ah, ça y est, regarde, ils sont devenus plus bronzés, eux deux. Voilà, ils ont tous pris un galon et maintenant ils vont aller faire des longueurs. Alors surtout, ne faites pas ça. En vrai. Si vous avez pris un bain de soleil, allez très doucement dans l'eau, quoi. Elle est cachée. Yabby Bazaar. Abinor. Quasib. Quasib. On est là. Narfa Yesu. On remarque qu'ils sont bien discutés. Vas-y, t'aimes les histoires, y'a pas de problème. Jumpy Sweb. Asana Zilneb. Ah. C'est quoi si je dis parler de mariage avec les deux? Comment ça, tu parles de mariage? Ou alors c'est juste une... Comment ça? Quoi, comment ça? Bah parce qu'on a couché ensemble et tout. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah en fait, c'est-à-dire que... Travis dans la sauce, mais pas trop, hein, en fait. Hein. Genre, Summer, elle sent pas les couilles. Regarde ça, comment elle s'en fout. Bah, moi, je m'en fous. Pourtant, c'est elle, la romantique. Bah, je sais pas. Elle, par contre, elle est pas contente, mais en fait, ça va. Ils vont vraiment finir en troupe, hein. En vrai, ce serait cool qu'on puisse, mais on peut pas. À moins d'avoir fait le truc, je sais plus quelle aspiration romantique, ou en gros, si t'as plusieurs copines, elles s'en foutent, mais c'est nul.
Pardus Gitna. Quash is a breeze. Yay boo, crew. Ah, Vadish. Parfin, oh. Moi, ça se passe plutôt bien, hein. Oh. Narbo Shoib. Malgré tout. Nelfi Duba. Famouche. Ah. Wurna Vwauneki. Gwam Gwau. Flubagorg Frieza. Benoit. Nelfi Ebso. Nostaish. Chima Vimpa, huh? Oh. Demander d'être partenaire de Crac Crac. Ce serait épique, genre à la fin, bah en fait, elles se barrent toutes les deux. Voilà. Puisque t'es un connard, on est lesbiennes. Ça marche pas comme ça en vrai. Puis c'est pas vraiment un connard, enfin, je sais pas. En fait, Summer, ça a pas l'air de la déranger, du coup. Souflo Bope is Wogra. Chili. Vena Garza. Oh, Gosha. Ça se passe mieux que je ne pensais. Brongi? Dizzy Bobna. Ah, Moosh, Obate. We'll slap a. Hey, boy. Kana, this back. Steve Charlie. Tribal dorm. Ah merde, c'est l'heure qu'ils aillent au taf. Was a. Need to part. Zum. Slap it. And the floof? Mm hmm. Ibi Hashinisi. Maskima. Ils sont rhabillés dans la piscine, c'est. N'importe quoi. Bouah. C'est très bien fait. On dirait qu'elle fait ça. Mais et fais ça en fait. Alors j'ai essayé, moi je coule hein, si je fais ça. Hein. J'ai peut-être pas la bonne technique. Enfin, moi tu me diras, tu me mets dans l'eau, je coule de base donc. Oh mon bit flotte. Mon cul aussi, mais pas ma tête. Je voudrais bien que ma tête soit grasse, comme ça je pourrais flotter aussi. Je pourrais flotter de la tête. C'est quand même le plus important. J'ai envie de dire. Mais tu laves pas les mains avant de prendre ta douche, ça m'énerve ça. Nage de qualité, n'est-ce pas? Mais les restes. Prends les restes, Jostoff. Bon, bah écoutez, c'était plutôt bien passé, hein, finalement. Je pensais qu'il y aurait plus de drama, mais je me suis un peu attachée à eux, du coup... c'est compliqué. Bah après, il y a eu des moins, mais... Ça n'a pas l'air de les faire tant chier que ça, il n'y a pas eu de scène de ménage... Il s'est pas pris de grosse tarte. Je sais pas. Donc il va devenir le petit ami des deux. Et puis voilà. Hop,
on va se mettre là. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, les gars. J'espère que ça vous a plu. Attendez, il faut que je remette mon fond. Hop. Que vous admiriez cette pauvre bête. Et restez tout le long. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. Je pense que la semaine prochaine, enfin, la prochaine fois que je la livrerai là-dessus, je ferai le relooking des gothiques. Je vais juste mettre hors caméra Travis en couple avec Summer et avec Liberty. Et puis voilà, enfin, petite amie. Ça s'est bien passé, écoutez, il n'y a pas eu de drama. Si ça correspond à tout le monde, voilà. Donc je ferai les gothiques la prochaine fois. Leur maison, par contre, je vais la faire hors cam. Quand j'aurai de l'inspi. On va peut-être pas faire tous les PNJ parce que... Enfin, en gameplay en tout cas. Parce qu'en vrai, il y en a... je sais même pas qui c'est. Il m'inspire pas du tout. Après, à voir. Je garantis pas le gameplay à chaque famille. Enfin, à chaque... ouais, à chaque famille. Mais on verra tout ça. Pardon, un frisson. Et puis voilà. Bah merci d'être viendu en tout cas. La rediff après-demain, je pense. Le temps que ça upload et tout le bazar. Et puis bah je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller faire pipi parce que ça va exploser. Une bonne soirée, bonne nuit et puis bonne fin de semaine. Et bisous.